وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala à expliquer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le Coran al-Karim en se basant sur le tafsir de l'imam al-Sa'di et en ramenant aussi quelques autres tafsir des savants de la sunna que ce soit le tafsir d'Ibn Kathir, Cheikh al-Uthaymin qui a fait un tafsir en audio ou bien Cheikh Mohamed al-Amin al-Shinqiti ou d'autres savants de la sunna qui ont donner des certaines explications intéressantes, inshallah, dans le tafsir. On en est arrivé à sourate al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Fajr wa layalin ashrim wa shaf'i wal-watr. Wal-layli idha yasr hal fi dhalika qasamul lidhi hijr. Sourate al-Fajr, c'est une surah mécoise. Et Allah tabarak wa ta'ala a juré par al-Fajr. Al-Fajr, c'est l'aube. Dans la langue arabe et dans le shara', c'est qu'au moment où les premières lueurs du soleil apparaissent à l'horizon, à l'horizontale, pas en long. Et il y a deux fajr, le fajr al-kadhib et le fajr al-sadiq. Le fajr al-kadhib, c'est-à-dire c'est le faux fajr, il est trompeur. Et le fajr al-sadiq, le vrai fajr, c'est-à-dire le moment où l'heure de la salat entre et le moment où il est interdit de manger et de boire et de faire tout ce qui est interdit pour le jeûneur. Il y a trois caractéristiques avec lesquelles on différencie l'un de l'autre. Premièrement, Al-Fajr al-Sadiq, il est à l'horizontale, en largeur et non en hauteur. Alors que le Fajr al-Kadhib, le faux Fajr, c'est de la lumière comme une queue de loup en hauteur. Ça, c'est la première différence. La deuxième différence, le vrai Fajr, c'est une lumière qui est collée à l'horizon. C'est-à-dire, quand on regarde la Terre au loin, la lueur, elle est collée à la terre, directement à l'horizon. Alors que le Fajr al-Kadhib, il y a de l'obscurité entre l'horizon et la lumière du faux Fajr. Ça, c'est la deuxième différence. La troisième différence, c'est que le vrai Fajr, quand la lumière apparaît, la lumière ne fait qu'augmenter jusqu'au jour complet. Alors que le Fajr al-Kadhib, quand la lumière du Fajr al-Kadhib apparaît, après, elle disparaît complètement, elle fait nuit totalement. Puis après, les premières lueurs du Fajr al-Sadiq viennent. Donc voici trois points avec lesquels on peut différencier entre l'un et l'autre. Ces signes-là dont on parle, ils sont visibles dans un endroit où il n'y a pas la lueur, les lumières de la ville qui viennent déranger cette vision-là. Et dans un endroit dégagé. Et avec un ciel dégagé, dans un moment propice. Donc il y a plusieurs signes et plusieurs choses à prendre en compte pour bien reconnaître l'entrée de l'heure de l'Fajr. C'est pour ça que Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, a dit qu'il n'est pas visible dans les villes. C'est pas dans la ville qu'on peut voir le Fajr. Beaucoup de frères se trompent. Ils prient, ils sortent, ils disent, ah, il fait nuit encore. Comment ça se fait? L'heure, elle est trop tôt. Allah, il miskin, il connaît rien aux horaires de salat. Premièrement, c'est normal qu'il fasse nuit. C'est pas le jour. C'est pas Shuruq encore. C'est le Fajr. C'est-à-dire que c'est les premières lueurs à l'horizon qui apparaissent. Allah Ta'ala l'a appelé le fil blanc. C'est-à-dire, c'est un fil blanc à l'horizon. Quand on sort dans les déserts,
Donc imaginez-vous, c'est pas ce qu'on croit. La personne elle sort, elle regarde dans l'air, elle voit que s'il y a de la lumière ou s'il fait nuit. Combien de gens, ils se permettent de parler sur les horaires de salat, ils ne connaissent rien aux signes distinctifs des horaires de la prière. Selon ses passions. Ah non, mais il fait pas jour mon frère. Comment je peux prier, il fait pas jour, je vois pas la lumière du jour. Est-ce qu'Allah t'a demandé de voir la première lumière du jour? Allah, il dit jusqu'à que le fil blanc du fil noir se distingue. C'est ça le signe distinctif entre le Fajr et la nuit. Et ce signe distinctif, comme l'a dit Cheikh Al-Uthaymeen, il n'est pas visible dans les villes. On ne peut pas le distinguer dans les villes. Et il y a des spécialistes de l'astronomie et des lumières et de je ne sais quoi qui disent que la pollution lumineuse de Paris, elle est perceptible jusqu'à 150 km de distance de l'agglomération parisienne. Ça veut dire que tu t'éloignes de 150 km de l'agglomération parisienne en espérant qu'il n'y ait aucune autre ville aux alentours. Après ça, la lumière de Paris n'est pas gênante pour voir à l'horizon. Il y a même eu des tests, que ce soit par des savants ou des spécialistes de l'astronomie, des musulmans, pour voir la lueur en ville, en Jordanie. Puis après, ils sont sortis dans le même pays, plus loin, dans le désert, ils ont vu des grandes différences. Dans le désert, ils ont vu que l'heure de l'Fajr, ils rentrent beaucoup plus tôt. Alors qu'en ville, ils l'ont distingué que beaucoup plus tard. Déjà, Allah Ta'ala dans le Coran, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont déterminé les signes distinctifs pour reconnaître les horaires de salat. Et la base, la certitude sur laquelle on est, c'est que l'heure n'est pas entrée jusqu'à preuve du contraire. Donc tant qu'on n'est pas sûr que l'heure de la prière est entrée, on ne prie pas. D'ailleurs, cela a été rapporté que certains parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'ils entendaient deux personnes diverger sur l'entrée de l'heure de la prière, ils prenaient l'horaire la plus tard, à condition que les deux soient bien sûr des connaisseurs et des gens de confiance. Par contre, si c'est quelqu'un qui parle sans science, sa parole c'est comme zéro. On n'en prend pas compte du tout. On prend compte des paroles des gens de science, des gens qui connaissent le sujet, et non pas les paroles de toute personne qui veut donner son avis, ou bien d'une personne égarée, ou bien des gens qui sont déviés de la voie droite et qui veulent toujours essayer de trouver des passages pour, par lesquels s'enfuir et ne pas s'attacher à la sharia. Non. Allah tabaraka wa ta'ala a juré par l'aube. On a déjà dit auparavant, on le dit toutes les sourates qu'on passe en ce moment. Allah jure par des créatures et ça ce n'est propre qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jure par autre qu'Allah, il a mécru ou bien donné un associé à Allah ou fait du polythéisme. Allah tabaraka wa ta'ala a juré par Al-Fajr, qui est donc ce moment, Inch'Allah, béni, car il y a une salat, qui est une prière obligatoire, qui est pratiquée à ce moment-là. Il y a des actes qu'Allah aime, qui sont faits à ce moment-là. Pour ceux qui jeûnent, le début du jeûne à ce moment-là. L'importance, donc, de ce moment-là. Et on va voir dans les différentes interprétations des quatre versets dans lesquels Allah jure, que souvent ça renvoie à des adorations qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime en ces moments-là ou en ces lieux-là. Souvent quand Allah tabaraka wa ta'ala jure par un lieu, c'est du fait du bienfait de ce lieu religieusement parlant, ou bien de la valeur de ce lieu, ou des adorations qui sont faites dans ce lieu. Ou quand il jure par un moment, c'est des adorations qui sont faites à ce moment-là pour montrer la grandeur et l'importance de ces adorations accomplies à ces moments-là. Donc, wal fajr wa layalin ashr, et par les 10 nuits. Par les 10 nuits, les savants ont divergé qu'est-ce que Allah tabaraka wa ta'ala entend ici par les 10 nuits. La majorité des savants parmi les sahaba et les tabi'in ont dit ce sont les 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah, dont le 10e jour est Eid al-Adha. Et ces 10 jours-là, comme on sait, c'est les 10 meilleurs jours de l'année. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih que ce sont les meilleurs jours de l'année. Il a dit aussi qu'il n'y a pas des jours où Allah tabaraka wa ta'ala aime plus les bonnes actions que ces 10 jours-là. Certains ont dit même pas le combat au service d'Allah. Il a dit même pas le combat au service d'Allah, sauf quelqu'un qui part avec sa personne et ses biens et qui ne revient avec rien. Voilà ce que dit la majorité des mufassirines. D'autres parmi les mufassirines disent ce sont les 10 dernières nuits de Ramadan. Car ici Allah ta'ala a dit وَلَيَالٍ عَشْرِ, par les 10 nuits. Effectivement, dans les 10 dernières nuits de Ramadan, il y a la meilleure nuit de l'année, qui est Laylatul Qadr, la nuit de la valeur ou bien la nuit du destin, qui a plus de valeur que 1000 mois d'adoration, ou dans lesquels il n'y a pas Laylatul Qadr. Il y a aussi d'autres avis, mais c'est 2 avis, on va dire, qui méritent d'être cités. Et quand on dit, pour le premier avis, par les 10 nuits, comment on dit que c'est les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, alors qu'ici Allah parle des nuits? Il est possible parfois quand Allah tabaraka wa ta'ala parle d'une chose, ou dans la langue arabe cela existe. Quand on parle d'une chose, on parle d'une partie d'elle. Par exemple, quand on dit la nuit, on veut dire par là la journée entière. Ça existe dans la manière de parler des arabes, cette chose-là.
Mais Allahu A'lam, ce qui est prépondérant comme avis, c'est que c'est les dernières nuits de Ramadan. Car Allah Ta'ala jure ici par les nuits, il n'a pas juré par les journées. Et il y a une différence. Quand on va demander quel est le mieux, les 10 derniers jours de Ramadan ou les 10 premiers jours de Dhul Hijjah? Les 10 meilleures journées, ce sont les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Mais les 10 meilleures nuits, c'est les 10 dernières nuits de Ramadan. C'est pour ça que dans Ramadan, c'est dans les nuits qu'on fait des efforts. C'est la nuit, à partir du coucher du soleil jusqu'au Fajr. Et c'est là qu'on cherche les Laylatul Qadr. Et c'est là qu'on prie, qu'on invoque, qu'on fait des prières surrogatoires, on fait Tarawih, on fait des Du'as, etc. Amma, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, ce qui est recommandé, ce qui est légiféré, c'est de faire beaucoup d'adorations dans les journées. On peut en faire aussi la nuit, mais c'est les journées qui sont préférables et qui ont une plus grande valeur. Et c'est dans ces journées-ci que la plupart des actes du pèlerinage ils sont là. Et c'est pour ça dans ces 10 jours on jeûne, sauf le jour de l'Aïd qui est interdit de jeûner. Et c'est ces jours-là où les pèlerins ils font le pèlerinage. Et c'est pendant ces jours-là qu'il y a Arafat, le meilleur jour de la vie d'une personne. Le moment où Allah il s'approche des gens d'Arafat et il leur dit « Demandez-moi ce que vous voulez, je vous donne. » Et qu'Allah il les affranchit de l'enfer. Et il n'y a pas un jour où Shaitan il est plus en colère que ce jour-là, il se jette de la terre sur la tête. Il est en colère comme on peut l'imaginer, tellement il sait les miséricordes d'Allah qui descendent sur les gens d'Arafat. Le meilleur jour. Et la meilleure dua, c'est le jour d'Arafat. D'ailleurs, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, la plupart des gens, ils y donnent très peu d'importance. On voit les gens, ils font l'effort les 10 derniers jours de Ramadan, mais les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, souvent, on les voit se laisser aller et ne pas faire d'efforts dans l'adoration, dans la lecture du Coran, dans les prières surrogatoires, etc. Ou dans le jeûne même. Taïb. Wash-shaf'i wal-watr, si on le prend au sens littéral, ça veut dire par le père et l'impère. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah, a donné plus de 10 explications différentes pour dire par le père et l'impère. Toutes des paroles des salafs, toutes des paroles parmi les pieux prédécesseurs, que ce soit parmi les sahaba ou parmi les tabi'in. Comme le disent les savants du tafsir, et comme le rappelle très très souvent Cheikh Al-Uthaymeen, presque à tous ses cours on l'entend, que quand il y a plusieurs interprétations qui sont données pour un verset du Coran, et qu'elles ne se contredisent pas les unes les autres, alors on peut l'expliquer par tous ses sens en même temps. Par contre, s'il y a une contradiction, on devra faire un choix. Comme tout à l'heure, on a dit « walayal in ashr ». On ne pouvait pas dire que c'est les deux en même temps. Ça ne peut pas être les 10 premiers jours de Dhul Hijjah et les 10 derniers jours de Ramadan en même temps. C'est un des deux, n'est-ce pas? Là, on ne pouvait pas utiliser toutes les interprétations possibles ou données par les savants. Par contre, il y a certains cas où on voit que les interprétations ne se contredisent pas. Au contraire, elles se complètent. Donc dans ce cas, on peut donner toutes ces interprétations ensemble. Par exemple, وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ, par le père et l'impère. Il y en a, ils ont dit c'est le nombre, le père et l'impère. Il y en a, ils ont dit c'est les créations, la créature d'Allah. Parce que dans la création d'Allah, ou c'est père ou c'est impère. Il y en a, ils ont dit le père, c'est les créatures et l'impère, c'est Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith sahih rapporté par l'imam al-Bukhari, Allah est un père, il aime l'impère. Witr dans le sens unique, subhanahu wa ta'ala. Que l'on dise que ce soit les créations et les créatures, ou les chiffres, ou bien shaf' al-watr, les adorations, ou bien le quand Allah Ta'ala dit shaf', c'est-à-dire père, car il a créé toutes choses en père. Allah Tabaraka Ta'ala, les cieux, la terre, le jour, la nuit. Non. Donc tout ça, que l'on dise donc al-watr, ou bien al-witr, les deux sont justes, il y a deux lectures. Wa shaf'i wal-watr, ou bien wa shaf'i wal-witr, les deux ont le même sens. Que l'on dise que l'witr ou l'witr c'est Allah subhanahu wa ta'ala, puis al-shaf'a c'est toute sa création, donc après qu'on dise après ça que c'est les adorations ou c'est les choses ou c'est les chiffres, ça rentre dans toute la création. Donc il n'y a pas de souci, tous ces sens inshallah peuvent être acceptables bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc on dira que wa-shaf'i wal-witr, al-shaf'a c'est les créatures et l'witr c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-layli idha yasr, et par la nuit quand... Ici, en français, ils ont traduit par « quand elle s'écoule ». Mais en vérité, « ida yasr », les savants ont divergé. Qu'est-ce que ça veut dire « ida yasr » ? Est-ce que ça veut dire « par la nuit quand elle arrive » ? Est-ce que ça veut dire « par la nuit quand elle finit » ? Est-ce que ça veut dire « par la nuit quand elle s'écoule » ? Toutes ces définitions ont été données. Et certains ont dit que l'avis le plus prépondérant, c'est de dire « par la nuit quand elle arrive ». Pour l'opposer au verset où Allah Ta'ala dit « wal fajr ». C'est-à-dire par le jour quand il arrive
et par la nuit quand elle arrive. Ça fait les deux extrémités d'une journée. Et Yasri, Ida Yasri, c'est-à-dire dans son sens littéral, ça veut dire quand elle s'écoule, elle passe. Pareil, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a juré par la nuit qui passe ou qui s'écoule, ou la nuit qui vient? Car la nuit, il y a une adoration qui est aimée par Allah subhanahu wa ta'ala, en plus de deux prières de nuit qui est le Maghrib et l'Isha, il y a la prière surrogatoire de nuit. Et il y a un moment dans la nuit qui est le dernier tiers de la nuit où Allah tabaraka wa ta'ala descend au ciel le plus bas et il parle à ses créatures et il dit « Qui me demande que je lui donne? Qui me demande pardon que je lui pardonne ?» Subhanahu wa ta'ala. Donc, pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le meilleur moment, le dernier tiers de la nuit. Et Allah tabaraka wa ta'ala descend dans le ciel de ce bas monde d'une manière qui lui convient, subhanahu wa ta'ala, dont nos cerveaux ou notre raison ne peut comprendre ou ne peut définir, car Allah tabaraka wa ta'ala, rien ne lui ressemble, et c'est lui l'entendant et le voyant. Mais nous, on affirme ce qu'Allah a affirmé, et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il n'y a personne qui connaît mieux Allah que lui-même. Et il n'y a personne parmi les créatures qui connaît mieux Allah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc s'ils nous ont défini qu'Allah descend, on dit Allah il descend. Comment? On ne demande pas le comment. On ne sait pas. C'est interdit de demander le comment. On y croit. Tout simplement, ce qui est demandé, c'est d'y croire. Et ce dont on est sûr, c'est que cela ne ressemble en rien aux créatures. هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ. Est-ce que dans toutes ces choses par lesquelles Allah a juré, n'est-ce pas là un serment pour un doué d'intelligence, c'est-à-dire par toutes ces choses qu'Allah il a juré? C'est pas suffisant pour une personne qui est douée d'intelligence? Tous ces signes-là, toutes ces choses dont j'ai parlé, c'est des créatures par lesquelles Allah Ta'ala jure pour les adorations qui sont faites dedans. Mais en même temps, c'est des créatures qui montrent la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers lesquelles on voit sa grandeur, que c'est lui le seul créateur, régisseur, et c'est lui le seul qui mérite d'être adoré subhanahu wa ta'ala. Donc Allah ta'ala ici dit, est-ce que ce n'est pas suffisant pour celui qui est doué d'intelligence? Est-ce qu'à travers tous ces signes-là, c'est pas suffisant pour voir la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses bienfaits et son unicité pour le doué d'intelligence? Et ici, Allah ta'ala a utilisé le mot en arabe, lidi hijr. Et le hajr, en arabe, c'est quand tu restreins quelque chose. C'est pour ça, une personne, par exemple, à qui on restreint ses biens, dans le sens c'est les sous-tutelles, on utilise la même racine. C'est-à-dire que le gouverneur, il le met sous tutelle. Et pourquoi on a Allah Ta'ala ici a appelé les doués d'intelligence, lidi hijr? Ceux qui sont doués de hijr. Hijr, c'est-à-dire qui restreint. Parce que la raison, elle restreint. Elle restreint, elle retient la personne de faire des choses contradictoires à la morale. La raison, elle retient la personne à dire ou à faire des actes qui sont contradictoires à la morale et au bien. C'est pour ça qu'elle a été appelée celle qui restreint, c'est-à-dire qui est là pour restreindre la personne à faire n'importe quoi. La personne qui n'a pas de raison, qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a rien qui la restreint, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça qu'Allah Ta'ala a appelé ici celle qui restreint, celle qui te retient à faire ce qu'il ne faut pas. Puis Allah tabaraka wa ta'ala nous rappelle, il dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alam tara, et aussi à travers lui à toute sa communauté, à tous les gens qui méditent, à tous les gens doués de raison. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad? N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les Ad? Iram dhatil imad, avec Iram, la cité à la colonne remarquable. Donc Ad et Iram, comme on dit les mufassirun, ce sont aussi des peuples de Ad. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit, il a détruit Adan il-Oula, les premiers Ad. Donc Ad, il y en a eu deux. Il y a eu les premiers auxquels Houd a été envoyé alayhi salatu wa salam, et d'autres qui sont venus après eux. C'était un peuple parmi les Arabes à qui Allah subhanahu wa ta'ala avait donné une force remarquable. Ils arrachaient les arbres d'une main. Ils avaient une force remarquable, incroyable. C'est pour ça Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad ?» N'as-tu pas vu ce qu'Allah a fait? Ton Seigneur a fait de Ad, Iram adat il-imad, Iram, ceux qui étaient comme des piliers. En fait, ils étaient forts comme des piliers, grands comme des piliers. Ça, c'est une autre interprétation. Il y a une autre interprétation, c'est qu'ils construisaient des maisons avec des piliers.
avec des piliers solides. Et Allah tabaraka wa ta'ala, qu'est-ce qu'il en a fait de ces gens-là quand ils ont démenti, traité de mensonge Houd, et quand ils n'ont pas voulu croire en Allah, et quand ils ont dit, qui est plus fort que nous? Et Allah ta'ala, il répond dans le Coran, ne voit-il pas que Allah, qui les a créés, est encore plus fort qu'eux en force, en puissance? Avec quoi Allah les a détruits? Avec la chose la plus imperceptible, le vent. Il leur a envoyé un vent 7 jours et 8 nuits. Et ce vent-là, il les vidait de l'intérieur. Ils étaient devenus comme des feuilles de palmier vides, desséchées. Des grands costauds qui se prenaient pour les plus forts, dont Allah, tabaraka wa ta'ala, avant eux, il n'avait jamais créé des gens forts comme ça parmi les hommes, avec cette force-là. Ils arrachaient les arbres d'une main et ils asservissaient les autres peuples par leur force. Ils étaient injustes. Ils opprimaient les autres. Allah ta'ala les a détruits qu'un vent. Il en a fait comme des feuilles de palmier séchées par terre, allongées. Ça, c'est un message pour tous ceux qui se croient forts et qui croient que leur force, elle peut leur permettre d'être injuste avec les faibles, d'opprimer les autres, de spolier leurs biens. Allah ta'ala, il tend la corde à l'injuste, mais il ne l'oublie pas. Quand il l'attrape subhanahu wa ta'ala et il le prend d'un châtiment douloureux. Et voici la prise de ton Seigneur quand il prend les cités alors qu'elles sont injustes. Certes, son châtiment est douloureux et dur, subhanahu wa ta'ala. Donc voilà comment avec Ad et Iram, qui étaient leurs ancêtres auxquels Houd a été envoyé, alayhi salatu wassalam, et à qui Allah tabaraka wa ta'ala les a transformés comme des feuilles de palmier desséchées. Naam. التي لم يخلق مثلها في البلاد. Donc n'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les Ad et avec Iram, la cité à la colonne remarquable, dont jamais pareil ne fut construite parmi les villes. Donc comme on a dit, ça diffère. Là c'est selon les divergences des Mufassirin. Si on dit que ici, quand Allah tabaraka wa ta'ala dit Iram adat al-imad, Iram avec les colonnes remarquables, dans ce cas-là, il ne parle pas de Zat al-Imad, c'est pour les colonnes et non pas pour comment elles ont été créées, c'est-à-dire comme des piliers. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, dont aucune ville n'a été créée pareille auparavant. Ça, c'est on dit que les colonnes, cela parle de construction et non pas de comment Allah a fait les Ad. Mais Allahu a'lam, la parole la plus juste, c'est que cela parle des gens de Ad, car Allah Ta'ala a voulu montrer leur force et a voulu montrer qu'est-ce qu'il a fait malgré leur force, comment il les a rendus. Subhanahu wa ta'ala. Donc, quand il dit « Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad », c'est-à-dire leur création, comment elles ont été créées, comment Allah il les a fait forts. Personne auparavant n'a été créé parmi les hommes de cette force-là. « Wa thamoud alladhina jabu sakhra bil wad » et avec les Thamoud qui taillaient le rocher dans la vallée. Les Thamoud, ce sont aussi un peuple parmi les Arabes auxquels le prophète Salih a été envoyé. Et eux, ils creusaient leurs maisons dans les montagnes. Ils faisaient des palais à même les montagnes. Ils se sentaient en sécurité. Et Allah Ta'ala, ils les a détruits comment, eux? Un cri. Le matin, tous, que des cadavres. Un cri. Wallahi, les armées d'Allah, on ne les connaît pas. Allah Tabaraka wa Ta'ala, il peut détruire une cité, une ville, un pays, ou même le monde entier avec ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala, avec un vent, avec un cri, avec des insectes, avec des choses invisibles, des choses visibles. Entre eux, les gens, ils se détruisent entre eux. Ce qu'Allah il a décidé, ça se fera. Wa fir'auna dhil autad. Ainsi que Pharaon, l'homme, dhil autad, pareil, il y a eu divergence. L'autad, c'est les épieux, c'est les pieux, les piliers. De même, ici, les savants ont divergé. Est-ce qu'ici, il parlait des piliers physiques, réellement, que Pharaon construisait? Ou bien plutôt, ils veulent parler, ils s'appuyaient sur son armée, ses piliers. C'est-à-dire les gens sur qui tu t'appuies, en qui tu as confiance. Comment tu les appelles? C'est des piliers. Tu dis, c'est un pilier pour moi. Donc, dans ce sens-là. Et Pharaon, qui s'appuyait sur son armée, en qui il avait confiance, avec lesquels il opprimait les gens, il opprimait le Bani Israël. Comment il les opprimait? Il les avait asservis à l'esclavage. Alors qu'ils étaient venus auparavant auprès de ses pères, libres.
Comment les Banu Israël sont venus en Égypte? Quand Youssouf alayhi salat wa salam, il avait été retrouvé dans un puits, puis il a été en Égypte, puis il a été ministre en Égypte, n'est-ce pas? Et après, il a dit quoi? Quand ses frères sont revenus, se sont repentis, etc., il a dit de ramener toute leur famille avec eux. Où? En Égypte. La famille de qui? De Yaqub. Et Yaqub, c'est le fils de qui? De Ishaq, fils de Ibrahim, alayhi salat wa salam. Et Yaqub, il s'appelait aussi Israël. Son nom, c'est Israël. Et Bani Israël, c'est les enfants de Yaqub. Les 12 tribus de Bani Israël, c'est les 12 enfants de Yaqub. Youssouf, Benyamin, etc. et les 10 autres. Les 12 enfants de Yaqub. Ils ont eu des enfants, et des enfants, ça a fait les tribus de Bani Israël. Donc, ils étaient venus en Égypte, sous l'ordre de Youssouf, alayhi salam. Puis, quand les générations sont passées, les pharaons, pharaon, c'est un titre que tous les rois d'Égypte portaient. Et donc, ce pharaon, il a fait quoi? Il a asservi et il les a mis à l'esclavage, alors qu'ils étaient libres. Comment? Avec sa force, avec son armée, et il avait un pouvoir dans ce bas monde, et il a utilisé ce pouvoir pour les asservir. Quand il les a asservis, les pharaons croyaient beaucoup dans la sorcellerie. Ils avaient des devins et des sorciers qui travaillaient pour eux. Il lui a été dit que parmi les enfants de Bani Israël, il va y avoir un homme qui va être la cause de sa perdition. Alors qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a dit, puisque c'est comme ça, on va tuer tous les nouveau-nés parmi les enfants de Bani Israël, garçons. Et on va laisser que les filles. Il a commencé à donner cet ordre-là. Puis, on est venu le voir, lui, on dit, bien Pharaon, si tu tues tous les garçons de Bani Israël, qui va être à notre service? Qui vont être nos esclaves? Il a dit, dans ce cas-là, on va les tuer une année, on va pas les tuer une année. Puis Allah tabarak wa ta'ala a voulu que Moussa alayhi salam, il naisse et il grandisse dans la maison de Pharaon, à ses frais. Nourri, blanchi, logé, protégé par l'armée de Pharaon. Il fait ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Et encore pire, aux frais de Pharaon, il est retourné chez sa mère. Et il payait, il donnait un salaire à sa mère pour allaiter son propre fils. Parce qu'il n'acceptait le sein de personne. Et Allah Ta'ala, il a fait qu'il l'a retourné à sa mère, comme il l'avait promis à sa mère. Subhanahu wa ta'ala. Donc, Pharaon a dépensé pour sa propre perdition. C'est comme ça aussi, subhanallah, souvent les tyrans, ils sont tellement imbus d'eux-mêmes qu'ils ne voient pas que parfois ils construisent leur perte de leurs propres mains. Alors que si quelqu'un était raisonné, il verrait que cette chose va l'amener à sa perdition. Mais eux, ils sont tellement imbus d'eux-mêmes, ils se sentent tout puissants, qu'ils construisent leur perte parfois de leurs propres mains. La cause par laquelle ils vont être perdus, c'est eux-mêmes qui l'ont, en fait. Non. Akada. C'est comme ça, Allah tabaraka wa ta'ala a fait dans ce bas monde que personne dans ce bas monde ne veut s'élever sans qu'Allah il va le rabaisser. Il n'y a rien dans ce bas monde qui peut rester élevé à part le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute personne qui a voulu s'élever par autre chose, qui s'est cru tout puissant, fort, intouchable, Allah Ta'ala, il l'a avili dans ce monde avant l'au-delà. Tous ceux qui ont déjà lu l'histoire, les empires, les je ne sais quoi, ils voient comment ils ont fini les empereurs. Comment ils sont morts, comment ils ont perdu leur empire, comment ils se sont fait trahir, etc. Parfois, ils avaient cet empire, etc., mais ils vivaient comme des reclus, comme des prisonniers. Ils avaient peur de tout, s'enfermaient eux-mêmes. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ. Tous étaient des gens qui ont transgressé dans les pays. Et effectivement, ils ont transgressé. Ils ont été injustes. Ils ont opprimé. Injustes envers Allah. Injustes envers eux-mêmes. Injustes envers les gens. Ici, le fasad, le désordre dont Allah tabaraka wa ta'ala parle, et la corruption, c'est plus un sens moral. C'est-à-dire, ils ont fait beaucoup de péchés. Effectivement, ils ont fait la corruption aussi dans la société, etc. Mais c'est surtout, ils ont fait beaucoup de péchés. Et il n'y a pas plus corrupteur et plus mal que les péchés. Les péchés et les désobéissances sont la cause des corruptions des peuples et de la perdition des peuples et de la perdition des sociétés et de la perdition des gens. Naam. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ. Comme ils ont beaucoup commis de désordre, donc ton Seigneur déversa sur eux
un fouet du châtiment. Sawta adab. Allah Ta'ala a parlé du châtiment ici comme si c'était un fouet. Sawta. Comme si le châtiment il est venu les frapper comme un fouet. Il frappe une personne qui se fait châtier. Et effectivement, la rapidité d'un fouet quand il se déplace. Les gens, quand ils sont frappés du châtiment, ils ne se sentent pas. Ils savent où la nuit, ou tôt le matin, dans les moments où ils sont dans le rafla, dans l'insouciance totale. Le châtiment, il les frappe d'un coup. Le châtiment les frappe d'un coup. Inna rabbaka labil mirsad. Certes, ton Seigneur demeure aux aguets. Certes, Allah tabaraka ta'ala, il voit ce que les injustes font. Et Allah tabaraka ta'ala, il est aux aguets, il les surveille. Et Allah subhanahu wa ta'ala est capable de les punir à n'importe quel instant. Mais comme on a dit tout à l'heure, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, Allah tend la corde à l'injuste, c'est-à-dire il lui laisse un peu le temps, mais il ne l'oublie pas. Et quand il le prend, il ne le rate pas. C'est-à-dire que le châtiment douloureux, il commence. Sallallahu alayhi wa ta'ala afiya. Naam. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Puis Allah تبارك وتعالى, après avoir cité tous ces peuples et tous ces gens en exemple, et de quand ils ont transgressé, voilà ce qui leur est arrivé comme châtiment, il parle de la nature de l'être humain. Comment l'être humain il est? Comment il pense et comment il devrait être. Donc Allah tabaraka ta'ala dit, quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant, c'est-à-dire en lui ouvrant des largesses de ce monde et en le comblant de bienfaits, il dit, mon Seigneur m'a honoré. Mais par contre, quand il l'éprouve en lui restreignant sa subsistance, il dit, mon Seigneur m'a avili. Et subhanallah, aujourd'hui on voit même les musulmans penser comme ça. Il mesure le bienfait d'Allah sur une personne par le matériel. Jusqu'au point où certains, ils ont été trompés, ils ont dit, comment ça se fait, les koufars, ils ont plus de choses que nous. Leurs pays sont verdoyants, stables, nos pays sont pas stables. Il y a de la pluie, il y a plus d'organisation, il y a je ne sais quoi. Et ils se sont trompés eux-mêmes, car ces gens-là, malheureusement, ils connaissent que très peu de la religion et leur croyance en est même malheureusement altérée. Allah tabaraka wa ta'ala, aux gens de dunya, les kuffars, quand ils font des bonnes actions, Allah leur donne dans ce monde. Même si chez Allah, il n'est pas accepté cette action comme une adoration. Par exemple, s'il est gentil avec une personne, s'il fait un bien, Allah n'est pas injuste. Allah va le récompenser, mais dans ce monde. Comme ça, dans l'au-delà, il n'aura rien à récupérer. Il récupérera le châtiment directement. Amma al-muslim, le musulman, quand il fait des bonnes actions, quand il fait un bien, Allah garde sa récompense dans l'au-delà, il lui fructifie et il lui donne dans ce monde une baraka, un peu de bénédiction qui lui facilite un petit peu de vivre ici, mais il n'a pas sa récompense dans ce monde. D'ailleurs, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient très bien compris cela. Et même les salafs, les tabi'in et tabi'in avaient très très bien compris cela. Certains, quand ils voyaient qu'ils avaient trop de largesse dans ce monde, ils lui disaient, de toute façon, tu as un sac de bienfaits. Tu l'as épuisé ici, tu auras moins dans l'au-delà. Pour eux, t'as pris dans le sac. T'as un sac, t'as les bienfaits. Ou tu laisses dans l'au-delà, ou tu épuises ici. T'épuises ici, t'en auras moins dans l'au-delà. Ils avaient très bien compris ça. Jusqu'au point où Omar ibn al-Khattab a rencontré son fils qui allait au marché. Il l'a arrêté, il lui dit, tu vas où? Il a dit, je vais au marché. Il dit, pourquoi? Il dit, je vais acheter de la viande. Il dit, pourquoi? Il dit, on a eu envie de viande. Il dit, ah, pourquoi vous achetez tout ce que vous avez envie? Après, il lui a récité des versets terribles. Vous avez épuisé vos bienfaits dans ce bas monde. T'as épuisé, t'en restera moins dans l'au-delà. Omar ibn al-Khattab, à son époque, l'islam s'est répandu, les richesses sont venues. Il avait un kamis rapiécé, il mangeait une nourriture, même les sahaba, ils n'arrivaient pas à manger sa nourriture. Immangeable. Ils sont venus, ils ont tout essayé avec lui. T'es prince des croyants, tu représentes les musulmans, les gens autour de toi, ils n'arrivent pas à manger, ils suivent ton rythme, ils n'arrivent pas à manger ta nourriture. C'est pas possible. Il lui a envoyé tout le monde. Tout le monde avait peur de lui, mais pas parce qu'il était injuste. Pour l'aura qu'il dégageait. Pour le respect qu'ils avaient pour lui. D'ailleurs, une fois, il a juste levé la main. Ils ont tous fait comme ça. Ils sont tous protégés. Ils ont dit, il a eu peur. Il a dit, je suis injuste. Vous avez peur de moi. Ils ont dit, non, non, tu n'es pas injuste. C'est l'heiba. C'est l'aura que tu dégages. Il a dit, ah ben, alhamdoulilah. Alors, si c'est ça, alhamdoulilah. Juste, il a levé la main. Ils ont tous cru qu'il allait se prendre un coup. Ils sont tous protégés.
Il a eu peur d'être injuste. Il a dit, je suis injuste, vous avez peur de mon injustice. Je suis quelqu'un de valim. Ils ont dit, non, t'es pas injuste. Donc il a dit, alhamdulillah. Dans ce cas-là, si c'est pas l'injustice, alhamdulillah. Ils ont tout essayé avec lui. Ils ont tout essayé. À la fin, ils ont dit, les seuls qui pourront lui parler, c'est les mères des croyants. Les mères des croyants, c'est les mères de tous les croyants. C'est comme ta mère, elle vient te parler. Est-ce que tu vas faire comment pour... Ils ont dit, on va lui envoyer les mères des croyants, les femmes du prophète, alayhi salam. C'est les seuls qui vont pouvoir peut-être lui parler. Nous, on a trop peur. Ils ont été parler aux mères des croyants, on lui a envoyé. Ils l'ont envoyé à Aïcha, radiallahu anha. Aïcha, quand elle a parlé, Omar, radiallahu anha, lui a dit, ya Aïcha, ya Umm al-Mu'minin, ô mère des croyants. Tu te souviens pas que pendant 2 mois, dans ta maison, il n'y avait pas le feu qui s'allumait? Vous mangiez que des dattes et de l'eau avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a parlé jusqu'à qu'il l'a fait pleurer, jusqu'à qu'elle soit partie. Après, il lui a envoyé sa fille, Hafsa. Elle est venue lui parler. Elle lui a dit, mon père, les gens, ils n'arrivent plus à supporter ta vie. Ils ne supportent pas ton rythme. Les gens, ils n'arrivent pas à manger avec toi. Ils lui ont dit, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous ne me dévirez pas d'un poil de comment étaient mes deux compagnons. Il parle de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abou Bakr Siddiq. Je resterai exactement comme ils étaient. Vous pouvez tous me parler, je ne bouge pas d'un poil. Après, il lui a dit, toi Hafsa, c'est qui Hafsa par rapport à Omar? Sa fille, qui était la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, tu ne te souviens pas, une fois je suis rentré chez toi et j'ai trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam allongé sur une natte, un matelas en natte, en osier. Et il était torse nu et la natte avait laissé des marques sur le côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai pleuré. J'ai dit, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur homme. Il dort sur une natte comme ça, comme un esclave. Alors que les rois de Perse et des Romains, ils dorment sur des lits, ils ont des gens à leur service. Il a pleuré, il a dit au messager d'Allah. Les rois, ils dorment sur des lits. Toi, tu dors sur une natte comme ça jusqu'au... C'est tellement peu confortable que ça a laissé des traces sur ton côté. Que lui a-t-il répondu, sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit, tu préfères que eux, ils aient l'au-delà et nous, on ait ce bas monde? Il lui a dit, qu'en ai-je à faire de ce bas monde, ya Omar? Je ne suis dans ce bas monde que comme un cavalier qui s'est allongé à l'ombre d'un arbre et il est reparti. Il s'est levé pour repartir. Il a rappelé ça à sa fille Hafsa. Tu te souviens? Maintenant, tu veux me faire changer? Allez, elle aussi, elle est repartie en pleurant. Il est resté comme il était. Radiallahu anhu. Il faisait des tournées, il allait chez les compagnons un par un. Dès qu'il trouvait que quelqu'un avait un petit peu de confort, il le frappait. Il prenait toutes ses affaires, il les mettait en boule au milieu de la maison et dit, c'est comme ça qu'on vous a laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il les frappait jusqu'à qu'ils comprennent. Et eux disaient, mais nous ce qu'on fait c'est halal, on fait rien de... Même, c'était même pas du luxe, c'est un peu de largesse. Mais il a dit, vous êtes les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens prennent exemple sur vous. Si vous avez un peu de largesse, les gens ils vont prendre beaucoup de largesse. Je ne veux pas que vous déviez d'un poil. Il était dur avec eux. Pourquoi? Parce qu'il savait que les gens allaient les prendre comme exemple. Il savait que les gens allaient le prendre en exemple. Jusqu'à ce qu'il est arrivé au Cham. Chez Abi Darda. Les autres, ils ont tous trouvé des cadenas. Il fallait demander la permission pour entrer. Ah, depuis quand? Il dit. Ah, il a dit, t'es devenu riche maintenant. On doit demander la permission pour entrer. Il les frappait. Jusqu'à qu'il rentre dans la maison d'Abi Darda. Pas de cadenas. Tu rentres, il a dit, assalamu alaikum, entre. Il n'a pas demandé c'est qui. Il arrive, il n'y a pas de lumière. Omar, il a mis les mains par terre jusqu'à trouver où aller. Et Hosham, en Syrie, il faisait froid par rapport à la Mecque. Il arrive, il touche Abu Darda. Il avait un kamis tout léger. Il lui dit, je te donne pas assez de revenus pour que tu t'habilles avec un kamis plus épais. Omar, il donnait des revenus à tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De l'argent, de la trésorerie des musulmans. Il donnait à tous les compagnons. Selon leur mérite. Les gens de Badr, ils avaient un revenu, les autres, ils avaient un autre revenu. Et Abu Darda, il lui a dit quoi? Il lui a dit, non, mais c'est suffisant. Après, ils ont commencé à se rappeler comment c'était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toute la nuit, et ils ont pleuré toute la nuit. Tu te rappelles comment on était, comment Allah, maintenant, il nous a ouvert le dunya. Donc voilà, l'être humain, ça, c'était les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur des hommes. Il mettait une pierre, deux pierres, sur son ventre pour retenir la faim, pour combler l'estomac du vide. Le meilleur des hommes. Il n'avait pas allumé le feu dans sa maison 2 mois. Il n'a jamais vu de ses yeux du pain blanc. À l'époque, le pain blanc, c'est du pain luxueux. Il mangeait que du pain d'orge.
Jusqu'au point, les compagnons jamais ont vu du pain blanc. Ils entendaient des fables sur le pain blanc. Si t'en manges, tes bras ils grossissent. Jusqu'à une époque, il y en a, il en a mangé, il a regardé ses bras tout de suite. Il a cru qu'ils vont grossir tout de suite. Tellement ils avaient pas. C'est pour montrer comment ils vivaient. C'était les meilleurs des gens, les gens les plus aimés chez Allah. Regardez comment ils vivaient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est pas la pauvreté que j'ai peur pour ma communauté, que j'ai peur pour vous. Mais j'ai peur que les portes de ce bas monde, elles vous soient ouvertes en grand. Et vous allez commencer à vous concurrencer pour ce bas monde, comme les gens avant vous, ils se sont concurrencés pour ce bas monde. Et elle va vous faire périr comme elle a fait périr les gens avant vous. Donc Allah Ta'ala ici, il rappelle à l'être humain. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ. Alors que l'être humain, quand son Seigneur, il l'éprouve et il l'honore et il lui donne de ses largesses, il dit « Mon Seigneur m'a honoré ». Mais Allah l'a éprouvé. C'est une épreuve, les richesses. T'es autant éprouvé quand t'es riche, peut-être même plus que quand tu es pauvre. Parce que quand tu es riche, il faut maintenant être reconnaissant. Il faut que cet argent, tu reconnaisses dedans un droit pour Allah subhanahu wa ta'ala, le droit pour les proches, le droit pour les pauvres, que tu l'utilises d'une bonne manière, pour ne pas avoir à rendre des comptes dessus sur la manière dont tu l'as utilisé, ou bien si tu l'as gaspillé. C'est une épreuve qui n'est pas moindre que l'épreuve de la pauvreté. Les riches rentreront 500 ans après les pauvres au paradis, car le temps que leur compte y soit fait, ils ont plus de choses à demander des comptes par rapport aux pauvres. Les pauvres, ils n'ont rien. Ne croyez pas que la richesse, c'est un bienfait en soi. Oui, de l'argent dans les mains d'un homme pieux, d'accord. Comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il recevait des grosses richesses le matin, il n'avait plus rien. Oui, d'accord. Comme les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils recevaient des grosses richesses, et le matin, ils devaient emprunter un dirham pour acheter du pain. Parce que tout ça, ils avaient dépensé fisabilillah déjà. Oui, pour des gens comme ça, les richesses, c'est un bien. Mais nous, maintenant qu'on vit dans le luxe, wallah, et on manque de quoi? De rien. On vit comme des rois. On mange des choses que les peuples, ils n'ont jamais connues, ils n'ont jamais vues de leurs yeux. Ils n'ont jamais imaginé. Maintenant, les gens, ils pleurent parce qu'ils ne peuvent pas acheter un téléphone dernière technologie à 900 euros. C'est ça aujourd'hui le pauvre. Et encore, hein, même le pauvre, il l'a ce téléphone. Pour vous dire à quel point aujourd'hui, les richesses, elles sont répandues partout. Et on se plaint encore. On se plaint de quoi? Est-ce qu'on a été reconnaissant envers Allah déjà du beaucoup qu'on a reçu? Est-ce qu'on l'a utilisé comme Allah aime? Combien de gaspillages on fait? Combien de gaspillages? Je ne parle pas alors de l'utilisation de l'argent dans le haram. Tout ça, ikhwah, c'est un test, une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lequel on va rendre des comptes. Les gens ne passeront pas le jour du jugement dernier avant d'être questionnés sur quatre, parmi les quatre, de son argent, de ses biens, d'où il les a acquis, où il les a dépensés. Ce n'est pas ton argent, ce n'est pas mon argent. C'est l'argent, c'est les biens d'Allah. Allah, il t'a mis la lieutenance sur cet argent. Il t'en a donné la responsabilité pour voir ce que tu vas en faire, comment tu vas l'utiliser. Donc, ici, Allah tabaraka wa ta'ala reprend l'être humain. Cette manière de réfléchir qu'il a, qui est mauvaise. Qui croit que quand il a des choses matérielles, c'est un signe de bien. C'est un signe qu'Allah l'aime. C'est un signe que cette chose, elle va perdurer. Non. C'est une épreuve. Et qu'Allah donne à une personne, ce n'est pas une preuve de son amour. Allah, ce bas monde, il le donne à qui? À celui qui l'aime et à celui qui déteste. Alors que la religion, Allah ne la donne qu'à celui qui l'aime. At-tawfiq, la permission pour faire le bien, Allah ne le donne qu'à celui qui l'aime. Amma, ce bas monde, il le donne à tout le monde. Au kafir, au fajir, au salih, à tout le monde. Tout le monde selon la part, selon comment Allah il a voulu par sa sagesse l'éprouver. Chacun comment. Parfois justement c'est leur châtiment. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit en parlant des koufars, que c'est leurs biens et leurs enfants ne t'étonnent pas. Allah ne veut par cela que les châtier dans ce bas monde avec cela et que leur âme soit retirée alors qu'ils sont mécréants. C'est les gens qui parlent comme ça, c'est les derniers des imbéciles. Ils ne connaissent rien à la foi ou à la raison. S'ils croient mesurer le bien-être de quelqu'un, ou la personne elle a réussi ou non, par les choses matérielles. Quant à l'homme, lorsque mon Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le comblant de bienfaits, il dit « Mon Seigneur m'a honoré ». Mais par contre, quand il l'éprouve en lui restreignant sa subsistance, il dit « Mon Seigneur m'a avili ». Non, c'est pareil.
Allah tabarak wa ta'ala, s'il t'éprouve en restreignant ta subsistance, c'est pas parce qu'il t'a avili. C'est une épreuve. Comme la première, c'est une épreuve. Ici, c'est une épreuve. C'est pour ça, Allah tabarak wa ta'ala dit après cela, certes non. Cette manière de réfléchir, elle est fausse. Les deux sont une épreuve. Est-ce que tu vas être reconnaissant et est-ce que tu vas être patient? Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti dehors et a rencontré Abu Bakr et Omar. Qu'est-ce qui les a sortis? La faim. C'est-à-dire, tellement ils avaient faim, ils sont sortis. Il les a emmenés chez un des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui les a accueillis, etc. Il les a accueillis, ils ont bu de l'eau fraîche, des dattes fraîches, et après cela, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a dit, de l'eau fraîche, de l'ombre fraîche, des dattes fraîches, wallahi, ceci fait partie des bienfaits sur lesquels Allah va vous demander des comptes. Imaginez-vous, ils sont sortis parce qu'ils avaient faim. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit ça. Donc, dans les deux cas, que ce soit quand les richesses elles sont abondantes ou quand elles sont restreintes, c'est une épreuve d'Allah. Quand elles sont abondantes, remercie Allah, sois reconnaissant, utilise-le dans le bien. Dans ce qu'Allah aime, donne déjà ce qui est obligatoire, ta zakat, donne aux proches, aide les proches, les nécessiteux, les orphelins. Et c'est là, Allah tabaraka wa ta'ala, ici, il cite cela. Kalla balla tukrimuna al-yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Certes non, vous n'honorez pas les orphelins. C'est-à-dire que si vous aimiez vraiment le bien, si vous étiez des gens de bien comme vous le prétendez, vous honoreriez l'orphelin. Mais vous, vous n'honorez pas l'orphelin qui a perdu son père avant la puberté, qui n'a personne pour dépenser pour lui. Et pour le protéger du mal des gens. Si vous étiez des gens de bien, vous auriez dépensé pour l'orphelin. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ. Et vous ne vous enjoignez pas les uns les autres à nourrir le nécessiteux, le pauvre. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا. Et que vous dévorez l'héritage avec une avidité vorace. Regarde comment ils se battent les gens pour l'héritage. Les guerres que ça fait pour l'héritage. Quand il y a un héritage, parfois ça divise même des familles. Des vols, des gens qui prennent la part d'autres gens. La personne n'est même pas encore morte, il y a des gens qui pensent à l'héritage. Sur son lit de mort, il va, hey, au fait, c'est pour qui? Donne-le-moi pour moi. Alhamdulillah, l'islam est venu donner la part à chacun. Par la grâce d'Allah. Alhamdulillah. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا. Et vous aimez les richesses d'un amour sans limite, sans borne. Effectivement, l'être humain, il aime les richesses. Il est attiré vers cela, sans limite. Comme le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, si le fils d'Adam, il possédait une vallée d'or, il en voudrait une deuxième. Une vallée. Imagine-toi une vallée entière remplie d'or. Il dit, s'il en avait une vallée d'or, il en voudrait une deuxième. Comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, la seule chose qui remplira sa bouche, c'est la terre, et Allah pardonne à celui qui se repent. Naam. Kalla idha dukkatil ardu dakkan dakka. Ici, Allah tabarak wa ta'ala nous rappelle que cet amour du bas monde, cet amour des richesses, cette avidité, elle va durer jusqu'à quand? Mais un jour viendra, qui est le jour du jugement dernier. Et Allah ta'ala dit, Kalla, prenez garde, quand la terre sera complètement pulvérisée, aplanée. Il n'y a pas d'ombre où aller se cacher, tout est aplané, tout est pulvérisé. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Et que ton Seigneur viendra ainsi que les anges rangés par rangés. Quand le jour du jugement dernier arrivera et que les gens seront sous le soleil qui est à une distance d'un bâtonnet avec lequel on se met du kohl sur les yeux, d'un bâtonnet de rimmel si on pourrait traduire en français, et que les gens se noient dans leur sueur, ils ont tellement peur. Les gens ressuscités nus, personne ne se regarde tellement ils ont peur. Et les gens vont aller voir les messagers pour intercéder, pour leur demander l'intercession auprès d'Allah, juste pour qu'Allah fasse les jugements. Juste pour ça. C'est-à-dire Allah Ta'ala, il demande l'intercession, pas pour ne pas être châtié, juste pour que ce jour-là déjà il passe. Au moins que le jugement soit fait. Ils vont aller voir Adam, ils vont aller voir Nuh, alayhi salam. Ils vont aller voir Isa, Moussa alayhi salam, Isa alayhi salam, et tous ils vont renvoyer vers qui? Vers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui va avoir Shafa'atul Uzma, la grande intercession. Allah Ta'ala va lui inspirer
des louanges spécifiques à lui, il va se prosterner et il va demander à Allah, puis Allah va venir, subhanahu wa ta'ala, pour juger entre ses créatures. D'une manière qui lui incombe, subhanahu wa ta'ala, non pas comme une créature ou comme un être humain. Les anges viendront en rangée. Ils vont se mettre autour de toute la création, non pas pour les garder, car ils ne peuvent pas se sauver du châtiment ou du jugement d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais c'est pour montrer la grandeur. Tous, ils vont être en rang, tous humbles devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Des anges énormes. Et ce même jour, وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. Et on apportera ce jour-là, جَهَنَّمَ, l'enfer. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih, on amènera ce jour-là l'enfer avec 70 000 chaînes. Sur chaque chaîne, parmi les 70 000 chaînes, il y a 70 000 anges qui sont en train de tirer l'enfer. Alors que les anges, ils ont une force incroyable. Vous imaginez, ça fait, c'est quoi? Jahannam? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih rapporté dans le Bukhari que le soleil et la lune en enfer, ils sont comme deux taureaux à assombris, noirs. C'est-à-dire, imagine-toi deux taureaux, deux petits taureaux comme ça dans la terre, c'est quoi? C'est, ils vont être comme ça, le soleil et la lune en enfer. Imagine la grandeur de l'enfer. يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَ. Le jour où l'être humain va se rappeler. Mais à quoi lui sert le rappel ce jour-là? Là, il va se rappeler ses péchés. Malheur à moi. Pourquoi j'ai négligé les ordres d'Allah? Malheur à moi. Mais ce jour-là, il peut s'appeler mille malheurs, un million de malheurs. Il ne peut plus revenir. À quoi lui sert le rappel aujourd'hui? يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي. Il va dire... Hélas, que n'ai-je fait du bien pour ma vraie vie? Hayati. Ici, Hayati, c'est quoi? C'est là qu'on voit que la vraie vie, c'est la vie de l'au-delà. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allahumma la aisha illa aishul akhira, faghfir lil ansari wal muhajira. Ya Allah, il n'y a de vie que la vie de l'au-delà. La vie de ce bas monde, ce n'est pas une vraie vie. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce bas monde par rapport à l'au-delà, c'est comme une personne qui a plongé son doigt dans la mer, puis il l'a ressorti. Qu'est-ce qu'il en a pris? Rien. Même la goutte qui est restée sur ton doigt, elle retombe dans la mer, et ton doigt est sèche. Donc il reste rien. C'est ça, ce bas monde par rapport à l'au-delà. Non. Et ce jour-là, l'être humain va dire, hélas, pourquoi je n'ai pas devancé pour ma vraie vie? Et effectivement, ce jour-là, on va regretter de ne pas avoir fait assez. Alors le kafir, il va regretter de ne pas avoir cru, dans le message de l'islam. Et le désobéissant, il va regretter de ses désobéissances. Et même le pieux, il va regretter de ne pas avoir fait plus pour pouvoir gagner les hauts degrés auprès du paradis. Mais ce jour-là, le regret ne servira à rien. C'est dans ce monde que le regret doit être utile. Dans ce monde, le regret, il doit te pousser à te repentir. Car le plus grand pilier, comme a dit Ibn al-Qayyim, le pilier principal d'un repentir, c'est le regret. Quelqu'un qui ne regrette pas, il ne fait pas un repentir sincère. Ce qui te pousse à faire un vrai repentir sincère, c'est le regret. Tu regrettes pourquoi j'ai désobéi à Allah, pourquoi j'ai fait ce péché. C'est ce regret-là qui te ronge. C'est ça qui te pousse à faire un repentir sincère, à dire c'est fini, plus jamais je reviens. Mais quelqu'un qui dit astaghfirullah, au fond de lui, il ne regrette pas. Quelqu'un qui ne regrette pas son repentir n'est pas accepté. C'est le pilier principal du repentir, c'est le regret. Non. Mais dans ce monde, il est utile le regret. Pas après. Dans ce monde, quelqu'un qui regrette, il va faire les causes pour ne plus regretter. Il va se repentir. Et la porte du repentir est ouverte tant qu'il n'est pas à l'agonie de la mort. يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدًا وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدًا. Et ce jour-là, donc, nul ne saura châtier comme lui châtie, c'est-à-dire comme Allah châtie. C'est-à-dire personne ne sait châtier comme Allah il châtie, subhanahu wa ta'ala. Personne n'est capable de donner un châtiment aussi dur et aussi douloureux. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدًا. Au point où les gens de l'enfer,
ils vont appeler Malik, le gardien de l'enfer. Ya Malik, ya Malik, ils vont le supplier que ton Seigneur nous détruise. Ça y est, vous y resterez. Restez-y, avili, et arrêtez de parler. Et arrêtez de parler. Subissez ce châtiment, point à la ligne, c'est tout. Qu'est-ce qu'il pourra faire ce jour-là? Il va demander qui comme intercesseur? Comment il va se défendre de ce châtiment terrible? Qui il pourra appeler? Il ne sera pas entendu. Et personne ne pourra le sauver. فَيَوْمَ يَدِلْ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٍ. Ce jour-là, il va châtier d'un châtiment. Personne ne peut châtier comme ce châtiment-là. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٍ. Et ce jour-là, nul ne sera attaché ou garrotté comme ces anges-là, ils le garrottent et ils l'attachent. Quand ils vont venir l'attacher, le traîner en enfer. Non. Ya ayyatuha an-nafs al-mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi 'ibadi wa adkhuli jannati. Puis Allah tabaraka wa ta'ala parle à l'âme apaisée, l'âme qui était apaisée à l'évocation d'Allah, l'âme qui était apaisée à l'obéissance d'Allah, l'âme qui trouvait le plaisir et son plaisir et son délice et sa douceur dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Car les âmes sont de trois sortes. La première, qui est la pire, c'est l'âme qui incite au mal. La deuxième, c'est nafsul lawwam, l'âme qui blâme. C'est-à-dire, elle fait des péchés, elle se blâme. Elle fait des péchés, elle se blâme elle-même. Elle se blâme. Et celle, le plus haut degré, nafsul mutma'inna, l'âme apaisée. Celle qui trouve son apaisement et sa tranquillité dans l'évocation d'Allah. Ceux qui ont la foi, qui ont cru et dont leur cœur s'apaise à l'évocation d'Allah. N'est-ce pas que c'est avec l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? C'est elle l'âme apaisée. Allahumma ja'alna minhum ya Rabbi. Ce n'est pas un degré qu'on est comme ça. Il faut faire l'effort. L'âme, elle s'habitue. Elle n'est que le fruit d'une habitude. Si tu l'habitues à faire l'effort, à être dans l'obéissance, à ne pas perdre du temps, à être occupé de bien en bien, elle va s'habituer à cela, elle va aimer cela. Si tu l'habitues à la paresse, au péché, au laisser aller, elle va s'habituer à cela et tu vas avoir du mal à la changer. Il faudra faire un grand effort pour la corriger. Donc l'âme, si tu ne la sèvres pas avec le bien, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est elle qui prend le dessus, elle va te sevrer avec le mal. Fahakada, l'âme apaisée, ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna. Oh, toi, l'âme apaisée, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Reviens, retourne vers ton Seigneur. L'âme, ton Seigneur qui t'a éduqué, ton Seigneur qui t'a permis, qui t'a donné la permission, qui t'a ouvert les portes du bien, qui t'a donner le tawfiq, la permission d'être parmi ces âmes apaisées. Irji ila rabbika radiyatan mardiyya. Reviens vers ton Seigneur satisfaite et agréée. Bien sûr, elle sera satisfaite et agréée. Agréée par Allah, satisfaite de ce qu'Allah lui a préparé comme délice dans le paradis. Satisfaite de retourner vers son Seigneur, de voir Allah subhanahu wa ta'ala qui est le meilleur des délices. Satisfaite d'être dans le paradis de son Seigneur qui a été préparé pour les gens pieux. Satisfaite de tout ce qu'elle va trouver comme délice au paradis, ce que nul œil n'a jamais vu, nulle oreille n'a jamais entendu, nul esprit humain n'a jamais imaginé. Jamais. Tout ce que tu peux imaginer, ce n'est rien par rapport au paradis. Ce qu'il y a au paradis, ton œil n'a jamais vu quelque chose d'aussi beau. Ce que tu vas entendre comme son au paradis, ton oreille n'a jamais entendu de son aussi radieux. Et il y a pour la personne tout ce qu'il désire et tout ce qui fait le plaisir de ses yeux. Il sera éternellement jeune, éternellement fort, éternellement en bonne santé. Celui qui y entre n'en sortira plus jamais. La mort ne l'atteindra pas.
il ne sera jamais malheureux, ne s'ennuiera jamais. Ça, c'est pour tous les gens du paradis. Alors, on ne parle pas des degrés dans le paradis. Les degrés. Comme il a dit le prophète, 100 degrés au paradis. 100 degrés. Allahumma ja'alna min ahli al-firdaus al-a'la. مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. Donc elle va être bien sûr satisfaite et plus que satisfaite. ارجع إلى ربك راضية مرضية, satisfaite et agréée. Allah il est aussi agréé, comme il est venu dans le hadith sahih. Allah tabarak wa ta'ala va dire aux gens du paradis, je vous ai couvert de ma satisfaction. Je ne me mettrai jamais en colère contre eux. T'imagines, tu entends ça de la part d'Allah qui te dit ça, je suis satisfait de toi, mon serviteur. Irji ila rabbiki radiyatan mardiya, fadkhuli fi ibadi wa adkhuli jannati. Entre donc parmi mes serviteurs, les serviteurs rapprochés d'Allah, les serviteurs choisis, les vrais serviteurs, les bons serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui ont choisi de se soumettre à l'ordre d'Allah, de soumettre leur âme aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fadkhuli fi ibadi wa adkhuli jannati. Entre dans mon paradis. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, en parlant du paradis, mon paradis tashrifan lil jannah. Pour montrer, pour honorer le paradis. Comme Allah tabarak wa ta'ala, quand il rapporte une chose à lui-même, ma maison sacrée, la Kaaba, c'est pour honorer. Hein? Et aussi de même ici, mon paradis, c'est pour l'honorer, pour montrer la valeur et la grandeur de ce paradis qui a été promis à tout croyant pieux. Qu'Allah nous fasse parmi ces gens-là et qu'il nous préserve du châtiment de l'enfer. Et c'est comme ça aussi donc qu'il faut, barakallahu fikoum, lire le Coran et méditer le Coran et mettre en pratique ce que l'on il y a dans le Coran. Et savoir que si on nous ratons cette occasion dans ce monde, nous n'aurons pas une deuxième occasion pour rattraper cela. Allah tabaraka wa ta'ala yuwaffiqna jami'an ma yuhibbu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qul rabbi zidni ilma.